Salut les amis, ici Joe Black pour encore une vidéo de détection. Je suis allé hier après le boulot dans un petit coin en pleine ville. Donc j'avais un peu de soucis d'abord, au premier abord, par rapport aux éventuelles personnes qui pourraient peut-être me dire quelque chose, donc genre la même question, ou chercher de l'or, machin. Et puis non, ça allait très bien, donc personne n'est venu me déranger, c'est très bien. Alors voilà, comme je suis dans la capitale de Horlogère, en Suisse, donc à La Chaux-de-Fonds, alors voici les premières trouvailles. Donc bon, ça n'a aucune valeur, ça c'est juste un fond. Il y a des choses marquées, mais bon, je n'ai pas voulu grailler. Donc bon, bien sûr, il y a aussi des éventuels merdouilles que j'ai déjà mis dans le truc à métaux, donc pour foutre tout loin, donc. Ici encore un cadran, donc on le voit bien. Étonnement, d'abord j'ai vu ce côté là, au début avant de bien sortir de la terre. Je suppose normalement c'est de l'or, ça, vu comme ça brille comme ça. Mais voilà, je peux pas le récupérer. Hein. Ceci c'en est un autre, mais elle est pliée. Puis, oups, là, pardon. Donc ici on voit aussi un petit bout d'or. Je suppose que c'était le même cadran mais plus bouffé donc. Et puis j'ai sorti aussi pardon, une petite clé d'un coffre-fort pardon. Non, je plaisante. Je sais pas, c'est une petite clé, je dirais plutôt une clé de boîte aux lettres. Dans un champ, donc, dans la même place. Donc. Puis aussi un smiley, un petit pins. Ah, ouais, c'est rien d'original, hein, mais c'est toujours sympa, quoi. Au moins, celui-là, il rigole. Par la suite, je sais pas ce que c'est. Alors, ça, c'est vraiment le gros module. Il y avait un attache ici, on le voit bien ici. Je me demande si c'est pas un truc de concerne carnaval, peut-être. Ben, c'est grand, hein. Vous pouvez voir. C'est bien grand, hein. Bon, les couleurs, ils ont partiellement parti. On peut même pas dire ce que c'est. Et puis, ça va, j'ai quand même sorti 10 pièces de monnaie, donc 2 boutons. Donc, ceci. On va voir si. On va voir, on ne voit rien, quoi. Il a un peu des fleurs, comme des fleurs. On n'arrive pas bien à voir. Je suis vraiment désolé. Parce qu'il est beau, je trouve qu'il est quand même beau. C'est sympa. Bon, la tâche, il est loin. Il est plein, donc. Mais. Ah, c'est dommage. On le voit tout juste. Bon, je ne vais pas m'attarder. Hein. C'est un jour, je trouverai un moyen de les montrer mieux. Ça sera nickel, quoi. Parce que ça me fait. C'est toujours des boutons, on va dire que c'est pas de la grande valeur, mais ceci c'en est un autre, donc je vais juste vous enlever pour dire ce qui est marqué. Alors il est marqué Samaritaine, voilà, pardon. C'est Paris, Samaritaine Paris. Puis derrière, c'est marqué marque déposée Paris. Donc, bon, c'est pas très vieux, hein. Mais voilà, je vous montre. Maintenant, on va passer aux pièces. La première pièce que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Alors, c'est 5 pesetas. J'ai déjà un peu enlevé le verre là qu'il y avait en grande quantité. Donc, j'ai déjà un peu diminué. Mais, bien sûr, c'est nickel. Les images, c'est super, vous êtes content comme moi. Et puis elle est de 1975. Et puis ici, il y a eu la deuxième, c'est aussi une pesetas, si je ne me trompe pas. C'est une peseta de 1947. On voit ici un peu la couronne. Une espèce de couronne. Bon, ceux qui connaissent les pesetas, ils vont déjà bien voir ce que c'est.
Mais si je me trompe, c'est je l'enlève un petit coup, mais bon, il faut encore que je lave. Je vais les mettre dans mon produit spécial fait maison pour nettoyer tout ça. Et puis, alors j'ai sorti le dernier moment avant de rentrer parce que j'ai pas tout fait le champ. Une pièce d'un franc de 1979, là où j'avais déjà passé. Donc c'est comme quoi, on passe dans un sens et on passe dans l'autre, on retrouve quelque chose, mais bon, bien sûr, c'est un quart de temps en plus. Alors celle-ci, c'est aussi un franc. J'ai cru que c'était en argent au début, quand je l'ai vue après avoir fait mon petit trou. Mais non, elle n'est pas si vieille que ça. Elle est de 1982, donc ça va partir tout ça au nettoyage aussi avec le fameux produit. Et puis par la suite, donc un centime. Un centime de 1990. C'est bizarre, je me rappelle plus de ces centimes, pourtant je les ai eus aussi dans ma main, normalement. Voilà. Alors, puis après, on va passer un petit peu à une pièce de 50 centimes. Elle est aussi très crasse, mais pas vous en faire de ceci, je vais les amener comme s'ils étaient d'aujourd'hui. Alors maintenant, ça me fait rire. Le bruit que vous avez entendu, c'est juste ma femme qui a dû éternuer, puis elle ne peut pas faire de bruit. Elle s'est bouché le nez. Désolé. Salut toutou. Non, 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 il faut aller là-bas. Va là-bas, gamin, va. Non, non. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire aussi dans le film, hein, toi? Et donc, je disais, c'est une 2 francs, une 50 centimes de 2008. Bien sûr, on voit très très bien, c'est nickel, hein, je vous assure. Alors, je vais continuer alors avec une pièce de 10 centimes. Encore désolé. Voilà. On voit un petit peu le 10. Et avec un petit accent, je n'en vois. Hein. Il y a les deux. Oups. 1969. 1969, pardon. Voilà. Alors, je vais repasser pour la pièce la plus ancienne que j'ai trouvée. C'est aussi une 10 centimes là. Eh oui, j'ai touché un petit peu, un petit coup de pelle, malheureusement. Ah celle-là, puisqu'elle est un peu plus sale, on la voit mieux, tiens. Bizarre. La prochaine fois, je saurai comment faire. Et elle est de 1906. Eh oui. Elle est quand même très belle, malheureusement. C'est celle que je fous le petit coup de pelle. Allez. Alors, je continue par une 5 centimes. Alors celle-là, bon c'est toujours la même place donc, mais je pense que le différent état de sol fait que une ou l'autre est plus usée. Ouais, on voit tout juste le 5, je suis vraiment désolé. Et puis elle est de, bonne question, j'arrive pas à la voir la date. 1981, 1981, donc vous voyez, comme quoi elle a bien morflé celle-ci. Et puis la dernière, c'est aussi une 5 centimes de 1926. Ah, ouais, celle-là, elle est un peu moins usée que l'autre, pourtant elle est plus ancienne, quoi. Voilà, c'est comme quoi le sol n'est pas tout à fait les mêmes, en tout cas à la même place partout, quoi. Voilà, donc alors normalement, ce coin-là, je vais y retourner. Et donc, nouveau là, au début, ça sera nouveau l'appréhension. Est-ce qu'il y aura des gens qui vont te venir te poser des questions, comme d'hab? Mais voilà, on verra bien. Voilà, c'est tout pour tout maintenant. Et puis là, on va partir pour un anniversaire. Demain, c'est l'anniversaire de mon épouse, pardon. Donc, ça sera
pas de sortie. Voilà. Alors, merci des visites, des commentaires, et puis je salue tous les potes qu'on se connaît virtuellement par Internet, par les vidéos. Et je vous souhaite à tous un bon week-end. Ciao, ciao, bye bye les amis, ici Djoubolak67, ciao, ciao.